Salut à tous, c'est SciSwix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online 1.46 pour un nouveau glitch d'argent juste avant le DLC Casino qui a été officialisé d'ailleurs. Donc, pour ce glitch, vous aurez besoin de l'arène, du bunker et d'un ami, et aussi le centre d'opération mobile en module 3 qui est le dépôt de véhicules personnels. Vous allez devoir mettre votre véhicule que vous voulez dupliquer dans votre centre d'opération mobile qui est en module 3 et mettre le nombre de dégâts RH8 que vous voulez transformer au véhicule que vous voulez dupliquer. Donc, vous allez vous rendre au tableau de l'arène. Votre ami va devoir lancer activité un travail de titan quand vous allez lui dire. Donc nous, on va se mettre devant le tableau. Et cette fois-ci, c'est pas comme l'ancienne. On va faire flèche de droite. Voilà. Une fois ceci, vous allez demander à votre ami qui lance l'activité travail titan. Une fois qu'il est dedans, vous allez le rejoindre par partie vocale. Une fois qu'il a rejoint partie vocale, vous allez avoir un chargement en bas. Vous allez vous dire de quitter. Une fois qu'il a quitté, vous allez avoir ce message. Vous l'acceptez, pardon. Vous allez avoir un deuxième message. Vous l'acceptez aussi. Donc vous allez avoir ce bug comme moi. Comme si l'écran clignotait pendant quelques secondes. Voilà. Une fois cela fait, vous allez faire maintenant start. En ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, mission, et vous allez rester sur le message confirmé de l'activité Entrée au Titan, comme moi. Une fois là, dès que vous avez appuyé sur X, vous allez spammer carré, vous spammez, vous spammez, vous spammez carré, jusqu'à que vous ayez le deuxième chargement en bas à droite. Voilà, maintenant je l'ai, c'est un chargement à l'infini. Une fois que vous l'avez, vous allez faire PS, vous allez dans les activités de GTA, prendre n'importe quelle activité du moment qui est marqué lancer GTA Online. S'il y a marqué lancer GTA 5, c'est pas bon. Faut qu'il y ait marqué lancer GTA Online. Donc vous appuyez, vous allez refuser le message qui va s'afficher. Voilà, maintenant vous êtes bugué. Une fois cela fait, vous allez vous rendre au distributeur qui se trouve en bas. Comment lancer un glitch? Vous allez ouvrir le téléphone et aller dans activité rapide. Vous allez déconnecter votre manette par éteindre le périphérique. Vous allez le reconnecter. Vous allez faire flèche de droite pour que votre joueur boive une boisson. Une fois que vous êtes déconnecté à la manette, vous la reconnectez bien sûr et vous faites flèche de droite. Donc ensuite vous vous rendez sur le rond bleu pour les caméras, flèche de gauche. Une fois que vous êtes sur la caméra, vous faites rond. Et maintenant vous montez dans une aiguille rachute. Une fois dedans, vous allez mettre un petit coup d'accélération. Voilà, vous allez passer sous la map comme moi. Quand vous allez spawn, vous allez devoir prendre un véhicule de PNJ ou un véhicule du Secret pour vous rendre à votre bunker. Bon, pour ma part, je vais prendre le busard de Secret. Attention de ne pas prendre de véhicule personnel, sinon le glitch est raté complètement. Prendre un véhicule de PNJ ou de busard. Donc voilà, on se retrouve à mon bunker. Une fois au bunker, vous allez démissionner de votre Secret, pardon, très important. Une fois démissionné, il faut rentrer dans votre bunker. Une fois dans le bunker, vous allez monter à l'arrière de votre centre d'opération mobile. Une fois dedans, vous allez monter dans le véhicule que vous voulez dupliquer. Vous montez dedans et vous accélérez. Donc vous sortez du centre avec le véhicule, mais pas du bunker. Vous ne sortez pas du bunker. Donc, une fois sorti du centre, vous allez passer votre véhicule comme moi, au même emplacement que moi. Alors, qu'il soit ce sens ou l'autre, c'est pareil. Donc, vous sortez du véhicule une fois placé comme moi, vous approchez du portail rouge, vous faites quitter le bunker, ça va bugger. Voilà. Votre véhicule va disparaître et réapparaître, il va despawn, en fait, il va réapparaître. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez pas votre véhicule, il va réapparaître, vous allez faire triangle pour monter dedans. Et passer sur la map. Donc si vous aussi c'est pas le premier coup, c'est pas grave, vous avez tout votre temps. Mais regardez bien cette fois-ci, je vais réussir. Là il va respawn. Je vais appuyer sur le triangle et je vais passer sur la map. Voilà. Donc comme vous voyez, je suis sur la map. Une fois spawn, vous allez prendre un véhicule de PNJ ou un véhicule du Secret Reserve. Très important, je le rappelle, pas prendre un véhicule personnel, c'est un glitch, va bah, complètement foirer.
Donc on se retrouve à l'arène. Important, démissionner de votre Secure Serve. Très important. Donc vous rentrez dans votre garage où il y a votre Eligi Garage 8. Peu importe le garage, du moment qu'il y a votre Eligi. Une fois dans votre arène, vous allez vous rendre à votre Eligi RH8 que vous allez transformer pour ma part en Easy Cauchemar. Donc vous montez dans votre Eligi et vous allez mettre un petit coup d'accélération. Voilà, donc vous allez passer de nouveau sur la map. Une fois au sol, vous allez prendre un véhicule de PNJ ou un véhicule d'ici qu'on reserve. Très important, je le rappelle encore une fois, il ne faut pas prendre un véhicule personnel, sinon glitch va complètement foirer. Donc une fois bunker, vous allez démissionner de votre Secure Reserve, très important de le faire, sinon glitch peut complètement foirer. Une fois que vous avez démissionné de votre Secure Reserve, vous pouvez rentrer dans votre bunker. Une fois dans votre bunker, vous allez apparaître à côté ou dedans à travers votre véhicule. Donc voilà, je suis apparu à travers le véhicule. Donc vous mettez dedans, vous allez le placer pas loin du centre opération mobile. Vous ne rentrez pas tout de suite et vous le mettrez pas juste à côté, pardon. Vous allez le mettre à peu près comme moi. Donc vous descendez du véhicule et vous montez à l'arrière du centre d'opération mobile. Une fois à l'intérieur, vous allez traverser tout le centre à pied et sortir par l'autre porte qui se trouve au bout du centre de la remorque. Donc vous sortez par l'autre porte. Une fois sorti, vous allez monter dans votre véhicule qui va se dupliquer dans quelques secondes. Donc une fois dedans, vous allez vous mettre sur le rond bleu, faire flèche de droite et accepter le message du dépôt de véhicule plein. Si vous n'avez pas eu le message, c'est que vous avez raté le glitch. Si vous avez eu le message, c'est parfait. Vous l'acceptez le message. Voilà. Donc là, la duplication est finie. Si vous voulez le refaire à l'illimité, il faut juste remonter le véhicule, sortir du centre avec et refaire comme tout à l'heure, mettre le véhicule comme moi. Et vous allez vous coller au portail rouge pour ma part, qui est de couleur rouge. Vous allez faire quitter le bunker, ça va bugger de nouveau comme tout à l'heure, et ainsi de suite. Si vous voulez faire pareil, vous allez qu'à reculer la vidéo et faire exactement pareil que tout à l'heure, ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce glitch t'aura plu. C'était SiceWix. Salut tout le monde. Peace!